Salut les amis, bienvenue dans cette nouvel épisode. Aujourd'hui, on va se retrouver pour American Truck comme tous les dimanches. Donc là, mon volant, c'est bon, c'est réglé. Il n'y a plus qu'à démarrer. Donc du coup, on va se diriger en direction de Clifton ou un truc comme ça. On va se diriger par là-bas. Je pense que ça va pas prendre trop de temps pour l'instant, je pense, hein. À moins que ça s'est décidé autrement. Un dégât. Putain, ta mère aussi, elle a un dégât. Excusez-moi. Bon, j'ai pas grand-chose de spécial à vous lire aujourd'hui, mis à part les commentaires du dernier épisode qui étaient relativement nombreux quand même. Qui étaient relativement nombreux, ça fait vraiment, vraiment très plaisir. Pourquoi j'ai mes warnings, moi? Hop. Bon, là, je pense qu'aujourd'hui, ouais, ça va être un épisode un peu tranquille, un peu pépère. On va rouler tranquillement, on va écouter le moteur du BRC tranquillement. Hop, allez, c'est parti, on prend l'autoroute. Donc bien sûr, je lirai les commentaires un peu plus tard dans la vidéo, bien sûr. Je vais pas attaquer tout de suite par ça. Hop, allez, roule, me coule. Attends, parce que je crois que non, c'était pas ça. Ah bah j'ai trouvé comment enlever les GPS. Bon bah comme ça, bon, ça c'est fait. D'accord, au moins j'ai trouvé comment appuyer sur photo. Ok, c'est F10. D'accord, ça c'est la photo, bon, on s'en fout. On s'en tape. Putain, mais comment on fait déjà pour aller au siège? Hop là, t'as mis. Reste sur la route, toi. Tranquille, Jean-Claude, reste sur la route. Reste sur la route, c'est bien. Je sais plus comment on fait pour régler le siège. Je crois que c'était F5 ou F4. Ah, c'était F4. Alors, on va reculer un peu. On va diminuer un peu le champ de vision. On va monter un peu le volant. Non, c'est l'inverse que je veux faire. Voilà, nickel. Donc oui, j'ai la voix un peu explosée ce matin, je sais pas trop pourquoi. Je la vois un peu cassée, mais bon. J'ai pas mal à la gorge ni rien, mais bon, voilà, j'ai pas. On va dire que c'est rien de grave. Donc ouais, je sais pas, ça pourrait être sympathique de temps en temps, de juste écouter le jeu, de rester tranquille, vraiment tranquille, ne pratiquement pas parler, vous laisser écouter les différents sons qui se produisent dans le jeu, donc les différents sons moteurs, la circulation, ce genre de trucs là, je pense que ça peut être intéressant. De temps en temps, ça peut être très intéressant, peut-être voire même un relaxant, donc ça pourrait être un style d'ASMR. Pourquoi pas, ça pourrait être marrant. À voir. Franchement, on va essayer ça tout de suite. Je vais me taire, je vais vous laisser écouter. J'attends un retour de votre part dans l'espace commentaire. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, hein, c'est toujours un plaisir de vous lire. Et puis on verra par la suite si je recommence ou pas.
du coup, les amis, j'espère que ces quelques minutes à peu près silencieuses vous auront plu. À l'avenir, je vais essayer de faire en sorte que voilà, ça soit encore plus silencieux. Je vais faire en sorte qu'il n'y ait vraiment pas un bruit. Je pense que je vais même carrément couper mon micro, je pense. Hein. Donc après, vous aurez juste un petit cut au montage. Voilà, qui va vous montrer que bah, c'est à ce moment-là que je coupe le micro, mais bon, non, ou alors j'arriverai peut-être à maquiller ça d'une façon un peu mieux, je sais pas. Ça sera à voir, donc on essaiera ça une prochaine fois. J'espère que déjà là ça vous a à peu près plu. Est-ce que vous aimeriez bien avoir un peu plus de moments comme ça, de silence total, de décompression totale, de silence radio, de juste entendre juste le son du moteur. Le son du moteur tourner, les bruits environnement du jeu. Moi, franchement, c'est quelque chose que je trouve vraiment très très agréable. C'est vraiment très réussi. Là, pour une fois, je me suis même pas fait troll par mon lapin. C'est pas mal. Franchement, c'est un miracle. Parce que d'habitude, comme vous l'entendez là sûrement, elle est en train de s'amuser à faire joujou avec sa cage. Donc voilà. Donc du coup, je pense qu'on va pouvoir commencer par les commentaires. On va pouvoir commencer à lire les commentaires, à mon avis, parce que je pense qu'on va pas tarder trop à arriver, je pense. Du coup, on va attaquer avec. Donc, j'ai oublié de prendre ma tablette. J'ai oublié de prendre ma tablette parce que les sons sont. Enfin, les. Hop, voilà, tiens, allez, téléphone au volant, je disais quoi. Pour mon deuxième écran, les commentaires sont. Il y a trop de commentaires, donc j'ai oublié de faire un retour Windows. Et pour faire un retour Windows, bah, je suis obligé de faire CTRL M. Et ça, j'ai pas envie. Du coup, voilà. Donc, on va commencer avec Tony Max qui me fait coucou, vraiment super. Un pouce bleu. Ah, merci pour ton pouce bleu, ça fait super plaisir. J'ai pas, je me suis pas planté de route comme la dernière fois. Ça fait super plaisir. Merci à toi de me suivre en tout cas. On va continuer avec un petit nouveau, c'est le Vache YouTube. Je sais pas, je pense que j'ai peut-être écorché ton pseudo, mais en tout cas, je pense que t'as dû te reconnaître. Mais en tout cas, merci et donc tu m'as mis bien, bien ta vidéo. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que le contenu de la chaîne te plaît. Et en tout cas, si tu viens d'arriver, bah, bienvenue à toi, l'ami. Du coup, on va continuer avec Loulou Agrippation qui m'a fait coucou mon GG. Est-ce que tu feras du Dirt Rally avec ton volant? Oui, c'est prévu. Du Dirt Rally, oui, c'est prévu. Donc, tout ce qui est jeu de simulation, je tiens à le rappeler, tout ce qui est jeu de simulation, vous le verrez sûrement d'une façon ou d'une autre sur la chaîne, tôt ou tard. Ça, c'est sûr et certain. Du coup, après, on va continuer avec Thierry. Quel Thierry qui me fait bonjour GG, super vidéo comme toujours. Et un like de plus. Bah, merci pour ton pouce bleu, ça fait super plaisir. Oula. Donc désolé quand je lis les commentaires, je roule vraiment comme une grosse bite. Parce que je suis obligé de tourner la tête, donc du coup, bah, je vois plus la route. Après on va continuer avec Kimi qui me fait coucou GG, super vidéo comme d'habitude. Et un like de ma part. Bah, merci Kimi pour ton like et merci de me suivre les amis, ça me fait énormément plaisir. C'est vraiment quelque chose de vraiment énorme. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça c'est super. On va continuer avec FSN qui me fait quand tu liras les commentaires, tu seras à 700 abos, force à toi, tu es le meilleur. Alors, quand je lirai ce commentaire, je sais pas combien je crois que je suis à 653. Donc non, je suis pas encore passé. Désolé FSN, je suis pas encore passé les 700. J'aurais bien voulu, mais bon, là c'est vrai que cette semaine j'ai pas pu faire de live pour des raisons personnelles. Donc du coup, oui, c'est sûr, ça a freiné un petit peu. Mais bon, on va essayer peut-être de rattraper ça assez rapidement. Enfin, peut-être. On verra bien. On verra bien. Ça viendra quand ça viendra. Et puis, c'est tout. Voilà. Samandina qui m'a fait bonjour, plus un like. Bah, bonjour à toi, Samandina. Et merci pour ton like. Ça fait super plaisir. Et on va finir, je crois, avec Tom 38 qui me fait salut. Guigui, premier like. MDR. Et en plus, tu devrais tourner le. Les boules bas, ma première proie sèche plus qu'à le faire sur FS, MDR continue comme ça. Lâche rien, tu es génial. Alors je. Putain, et en plus je me suis planté comme un vieux boulet. Et derrière, ça va me gêner. Bah si. Donc je sais pas si tu t'es trompé de youtubeur, Tom. Mais en tout cas, si c'est à moi qui t'adresse à GG et pas Guigui. Merci pour ton commentaire, ça fait plaisir. Mais pour le coup, je crois que c'est bien à Guigui que tu t'adresses. Donc, vérifie bien avant de laisser un commentaire sur quelle vidéo que tu te trouves.
parce qu'à mon avis, je pense que t'as dû, la vidéo a dû faire, a dû se lire automatiquement et sans t'en rendre compte, en fait, t'as changé de vidéo, et du coup, t'as posé le commentaire sur cette vidéo aussi. C'est pas grave, mais c'est super mignon quand même. Hop. Bon, du coup, bon, tout ce qui est commentaire, ça, c'est fait. Donc, du coup, bah maintenant, on n'a plus qu'à arriver tranquillou. Oh merci Théo. Ah bah tiens, pour coup, voilà, on n'arrivait plus pour l'attendre. Hop, on n'arrivait plus pour l'attendre. Allez, on se fait la marche arrière. Ouais, allez, on est motivé, on se fait une marche arrière. On va essayer de se faire la marche arrière. Alors, du coup, là, il faut pas que je fasse de conneries. Je vais faire marche arrière. On met des warnings. Arrête toi, putain. Oh, ça m'énerve. Allez, arrêtez-vous, mon deux con. Là, tu... C'est ok. C'est bon, ça. Donc là, le truc, c'est de prendre le plus large possible pour passer en dessous. Parce que là, il faut pas oublier que la semi, elle est extrêmement longue. Donc là, il faut pas avoir peur de faire rase-motte avec tous les murs. Pas sympa, c'est évident. Hop, faut que je prenne plus large. La dernière fois déjà j'avais galéré à tourner. Alors du coup, au pire, ce qu'on va faire, on va passer là à côté, c'est pas grave. On va pas y passer 3 heures non plus. On va vite faire ça. Voilà. On va prendre le plus large. Tu m'expliques pourquoi tu m'as arrêté net, toi? Hop, on vérifie qu'il n'y a personne à droite et à gauche. On se met en travers de la route. On passe la marche arrière. Oh, une marche arrière au rétro. Comme dans la réelle. Mais là, je suis très mal parti. Attends, on va juste vérifier où j'en suis, là, parce que je suis perdu. Ah oui, effectivement. Oui, j'allais bien me garer, hein. Effectivement, mais j'allais pas me garer sur la bonne place. Merde, non, pas, non, pas arrêter camion. Je vais passer marche avant. Ouh, c'est très mal parti. Bon, on va essayer de se ranger à peu près. Voilà. Puis je vais me remettre dans l'axe. C'est pas droit tout ça. C'est vraiment pas droit. C'est voilà, j'ai vraiment énormément de mal aujourd'hui, c'est hallucinant. Hop là. Allez, on décharge. Débranchement des flics cibles. Allez, on a atteint le niveau 8. Bon, bah c'est super. Bon, bah du coup, les amis, on va se laisser là-dessus. Ça fait pile poil 20 minutes. Donc, on se dit à la prochaine vidéo. Donc, sur cette série-ci. Autrement, à demain pour un nouvel épisode. Normalement, si tout se passe bien. Et puis sur ce, moi je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne semaine pour cette dernière semaine de vacances pour ceux qui sont toujours en vacances. Et puis sur ce, je vous aime très fort. Salut.